Dieu et il était 100% homme. Jésus-Christ alaki mokama likola mokama nzambe pe mokama likola mokama moto 100% Dieu mokama likola mokama nzambe 100% homme pe mokama likola mokama moto. Et dans Colossiens chapitre 1 verset 15 na mokanda na ba Colossia mokapo na moko la Bible dit que Jésus était l'image du Dieu invisible. Bible dit que Jésus alaki elilingi ya nzambe e mona na kate le premier de toute la création ya liboso ya ekoke la manyonso car en lui ont été créées toutes choses. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est l'image du Dieu invisible. Le Dieu qu'on ne voit pas, si vous voulez le voir, regardez Jésus. Donc Jésus, c'est que Jésus était le dévoilement du Dieu invisible. Était la révélation du Dieu caché. C'est lui qui révélait les mystères cachés de la divinité. Et dans Philippiens chapitre 2, verset 5, verset 11, la Bible dit ayant l'apparence de Dieu, mais il ne s'est pas tenu comme être égal à Dieu. Mais il s'est humilié. Il s'est enrichi. Il s'est humilié. C'est ça qui a fait sa grandeur. La grandeur d'une personne, la grandeur d'un ministère, se révèle dans l'humilité. Et c'est dans l'humilité où est cachée la puissance créatrice. Jésus était 100% homme. Et il était 100% Dieu. Si quelqu'un croit cela, donne-moi la main. Alors nous aussi, nous sommes 100% hommes et 100% des fils de Dieu. Et fait de mon Dieu un fils de Dieu, c'est un Dieu. Mais il est en progression jusqu'à atteindre la perfection. Le petit lion, c'est un lion. Même s'il n'est pas encore manifesté, mais il a en lui toutes les caractéristiques du lion. Parce que le petit de lion, c'est un lion. Même si les gens ne reconnaissent pas qu'il est lion maintenant, attendez que le jour passe, il ne fera pas des efforts pour devenir lion. Mais le caractère de lion sont cachés en nous. Et si on nous a dit de grandir, chaque caractéristique du lion se manifestera sans qu'il ne fasse des efforts. Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Et je lirai le verset 6. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous des fils du Dieu, du Très-Haut. On est fils. Et après, on devient de Dieu. C'est ce que la Bible dit. J'avais dit,
êtes de Dieu. Vous êtes tous des fils du Dieu. Et nous sommes maintenant dans l'âge du passage du Fils au Dieu. Parce que, comment ça? Je répète, nous sommes maintenant dans l'âge du passage du Fils au Dieu. Et arriver à être Dieu, c'est la finalité. Tu ne peux pas manifester Dieu si tu n'es pas Dieu. Vous êtes tous des fils de Dieu très haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince qui est comme. Lève-toi. Oh Dieu. Juge la terre. Car toutes les nations. Papa chère. J'en veux tout. Vous êtes de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes tous des fils de Dieu très haut. Maintenant, nous sommes de l'âge de passage. Des fils de Dieu. Vous devenez de Dieu. Et je vais le prouver. Avec la descente de l'âge du sang, il s'incarne dans le pasteur. Il s'incarne en moi. Il s'incarne en vous. Pour faire quoi? C'est pour que l'autre est le nom de Dieu. Je me rends au verset de 19. 18. Nous savons que quiconque est de Dieu ne pêche pas. Il y a une seule personne qui ne pêche pas. C'est Dieu. Nous avons la Bible.
Oh,
Le
vous êtes le tout-puissant. Brahma nous a parlé. Brahma, le Seigneur, paragraphe 265. Alors, maintenant, pose la question. Que se passe-t-il? Lorsque Dieu est tout puissant, il y a deux omnipotents se rencontrent. Que se passe-t-il? Lorsque Dieu, Tango Mibale, tout puissant, Matanguya Mibale, Matanguya Mibale, se rencontre, Makutani, alors il est sûr que nous, lorsque Dieu, Tango Zambe, et l'homme, Namoto, se joignent, Mayeko Sangana, par l'omnipotence, Namouya Mibale, quelque chose doit se passer, et le Tomoko est dynamique au Salema. Quoi que vous demandiez, avec cette puissance, que la puissance de l'omnipotence de Dieu, sachant qu'il a porté cela, et tu dans sa parole, cela crée une puissance qui va au-delà. Choses se reproduisent. Des choses qui n'existent pas. Cela fait cependant comme si elles étaient. Parce que deux omnipotents se sont rencontrés. Le mépotant homme et le mépotant Dieu, quand il se croit, le chose secret, ce qui n'existe pas viendra à l'existence. Je ne suis pas là.
messager. Et le messager. Je porte le message. Et que le messager. Et le message. Maintenant, je prends le message. C'est pas pour tout. Moi et le messager. Nous sommes à l'heure. Je suis un grand-amiste. Mais si ça, il y a des têtes sont cachées sous la terre. Il y a oui, Batama, ma belle. Et il est difficile de voir les racines. Ah, et ben. La passion, mais si ça. Je veux que l'aïe tabernacle me donne un amour. Jusqu'aux racines. Qui donne les si ça, frère, les corps. Pour voir les racines. Pour mon ami, si ça. Et c'est séché. Et Kaoki. Il faut que je sais. C'est le côté, mon là. Mais ils n'ont pas que je sais. Les racines par la foi. Maman, il me dit ça, les gars, continuent. Abraham dit. Donc, Abraham, lorsque un arbre est attaqué, quand vous étiez ébouillés, ça va sécher dehors. Et quand vous calibrez là, la vie, gassi, maman, il s'est caché sous les racines. Et c'est qu'il est battu à ma serre. Cet arbre là, quand vous étiez séché, jusqu'aux racines. Qui nous l'a dit ça? C'est pour notre esprit. Mais comment est-ce que vous qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que Dieu a sorti la vie. Allons, il n'y a pas moi. Maintenant, si comme votre humble serviteur, le pasteur Mosello, mon salami dans la commune qui nous a battu, Mosello. Donne raison, je donne raison aux figures. N'a pas si longue n'a été la maudit. Si le Seigneur est ainsi comme je vois le pasteur aimé, ce qui commence à gagner dans mon bâtiment, je dirais Seigneur, il va colo. Le figure a raison. Je donne longue. Ce n'était pas sa saison. Ça marche pas comme ça. Ah là, ils sont solides. Pourquoi le figure a raison? Pour la nuit,
ils étaient longi. Mais la Bible dit. La Bible est longi. Ce n'est pas la saison de qui. Ce n'est pas la saison. Et match n'a pas produit le fruit. Là, voilà. Le figuier. J'étais. Et l'on dit la mort. Ça, ça y est. De l'autre côté, la figuier. J'étais. Avec toi. Et quoi parce qu'il n'avait pas la figuier avec toi. Pour la lune, j'étais quoi il s'habille. Je vais vous expliquer. Il n'avait pas retenu. La présence de Dieu. Il n'avait pas reconnu qui était la présence. La chapitre 17. Mon capoyazomi na sambo. Prenons le verset premier. On va kotanga yambo. Pourquoi le figuier avait tort? On a dit n'était quoi il s'en. L'Éternel parla à Moïse dit. Yahweh, alors il m'a salobi. Parle aux enfants d'Israël. L'homme là bas d'Israël. Et plantez une verge selon les maisons de leur père. Sainte douze verges de la part de tous les princes selon la maison de leur père. Il vous écrira leur nom, de chaque, le nom de chacun sur sa verge. Et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Car il y aura une verge pour chaque fils, chaque chef de maison. Tu le déposeras dans la tente de l'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser devant moi le miracle profond contre les autres. Contre vous les enfants d'Israël. Ben à Kosukisa. Là, il m'a dit, oh, il m'a dit, 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 Dieu, vous les amènerez dans ma maison. Voilà là où le figuier avait tort. Parce que ce figuier était sèche. N'avait pas de fruit. Il était comparable aux autres morceaux de bois qui étaient là-bas. Dans sa présence. Le figuier. A eu des problèmes. Jésus mais non. C'est parce que le figuier n'avait pas compris. Mais que celui était devant moi.
à sa présence. Que ce soit le moment. Et dans la tango. Ou pas le moment. Dès que nous rentrons dans sa présence. Oh, je me veux que quelqu'un fasse les choses chaudes. Je me veux que quelqu'un fasse ça. Thank you.
changer la situation. Amen. Transformer le problème. Aujourd'hui,
Christ, donc le Dieu d'Abraham soit là. Le Dieu d'Abraham. Salam. Oh, alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu est dans la présence d'Abraham, tout le monde ton fils. Abraham a pris le fils. Il voulait le donner. J'ai vu. Déjà, pour mon obéissance. Votons sinayo. Pour moi, tu m'apprends. Bonne pour que le regard. Regarde. Sur le bois. Marie le béni. Oh, bonne idée. Ce bénit n'existait pas là. Mais on a Nazara qui va dire. Ça a été créé à l'instant même. Et que la macaca canamoka wana. Et prenant le Dieu. Et prenant le Dieu. N'est-ce pas le même Dieu qui a créé les éclairs? Oui. On est dans l'île de la macaca Dieu a créé les éclairs. Et ce Dieu-là. Personne ne va non. Qui a créé les éclairs? Oui, a créé les éclairs. Je lève nos mains. N'attends pas le bon bonheur. Il est ici. À il peut crever ce que tu veux. Il peut crever ce que tu veux. Il peut crever ce que tu veux. Il peut te bénir. Il peut te lever. Il peut changer ta vie. Il peut changer ton nom. Il peut changer ta vie. Il peut montrer à ceux qui parlent mal de toi. Je vous le présente. Je l'ajoute. C'est mon fils. Dieu peut faire de toi ce que tu n'as jamais été. Dieu peut changer ton histoire. Je vais te dire. Seigneur Jésus, colo l'esprit.
nous sommes dans ta présence. La puissance interminable de la douleur de feu. Je suis ici. Pour continuer leur moment de prière. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu tout puissant. Le Dieu de William Branham. Celui qui ne change pas. Celui qui n'a jamais changé. Celui dont le trône ne sera jamais renversé. Celui qui garde sa puissance. Celui qui garde ses promesses. Je lève ma main. En bénissant d'abord le pasteur aimé. Spirituellement. Financièrement. Élève le Seigneur. Il y a un seul ministère. Sois rempli d'onction. Rempli de puissance. Et donne la bouillie. Tout ce qu'il dira. Tout ce s'accomplit. Et confie sa main. Tout ce qu'il demandera. Tout ce qu'il réalise. Et confie sa main. Au nom de Jésus-Christ. Père, Tata, je lève mes mains. Pour chaque brebis. Pour la patrie noce. Chaque frère. Qui soutient le frère par les dîmes, par les offrandes, par les dons. Aujourd'hui, les choses changent dans sa vie, dans son travail. Tu le reçois au centuple de tout ce qu'il a donné. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour les sœurs que tu les bénisses. Ceux qui font le commerce à partir d'aujourd'hui, de tout ce qu'ils vont vendre, sera acheté au premier. Les machins et les païens ne sont pas vus. Et les choses de tes enfants sont vus. Acheter envers les anges pour prendre ces marchandises. Je prie en nom de Jésus que tous les frères qui sont le locataire deviennent le propriétaire. Au nom de Jésus-Christ, que tous les élèves gagnent à l'école, que tous les étudiants. Que tous les chômeurs puissent avoir le travail. Que tous les stérilles puissent se concevoir. Que les aveugles voient. Que le bateau marche. Que le sourd entende. Que toutes les personnes qui sont malades soient guéries. Au nom de Jésus-Christ. Je chasse les maladies. Les maladies de ses têtes, de ses sœurs. Le noir. La glycémie. La maladie de votre glycémie. Je chasse ce moment. Dans la salle. Dans les fers. Dans les sœurs. Le nom de Jésus. Comment est-ce que le démon de la pauvreté. Le démon de la manque de prospérité. Je chasse le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Seigneur, cette église soit bénie matériellement, financièrement, spirituellement. Au nom de Jésus. Que chaque personne qui a levé la main soit béni. Que tout ce qu'il a besoin, qu'il le reçoive. Je chasse les obstacles. Je
je chasse ton résistance. Dans ta présence, je chasse toi de quelle présence. C'est pourquoi, Seigneur, je crains pour ce frère, pour ce soeur, pour ce tournant. Je crains dans le frère, dans le soeur, de près de Banjul, de Gabon, de Libreville, de Franceville, de Mwanda, de Pochantou. Je crains tout ce dont ils ont besoin. Je chasse les maladies. Je chasse les envoûtements. Je chasse la sorcellerie. Je chasse la domination. Et je proclame la félicité. Je proclame le bonheur. Je proclame le succès. Je proclame la guérison. Je proclame le miracle. Je chasse le mari de lui. Le sang de lui. Le nom de Jésus. Je chasse le sirène. Je chasse les esprits de famille. Je prise les liens de famille. Je prends le Jésus. Les liens de famille. Par les maladies de famille. Par les maladies héréditées. Je chasse le nom de Jésus. Pour l'ancien du Dieu de l'homme. Que sang. Un jour. Et ça. Se manifeste. Et à partir d'aujourd'hui, chacun œil est intervenant. Chacun œil est intervenant. Un témoignage de consécration. Un témoignage de bénédiction. Un témoignage de bénédiction. Que ce jour, au nom de Jésus-Christ, soit un jour nouveau. Un jour de témoignage. Un jour de témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ta servante. Au nom de Jésus-Christ. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Remplis-moi de la sagesse. Je vous en supplie, Père. Qu'elle reçoive. Selon le désir de son cœur. Au nom de Jésus. Au Père et miracle. Bénis mon frère. Au nom de Jésus-Christ. Bénis ma soeur. Qu'elle reçoit le désir de son cœur. Bénis ma soeur. Qu'elle reçoit le désir de son cœur. Bénis ma soeur. Qu'elle reçoit le désir de son cœur. Bénis ma soeur. Qu'elle reçoit le désir de son cœur. Bénis ta servante. Qu'elle reçoit le désir de son cœur. Bénis mon frère. Qui le reçoit. Le désir de son cœur. Bénis ton serviteur. Le nom de justice. Recevez le désir de ton cœur. Reçois 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 le désir de ton cœur. Reçois, 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 reçois
Nous avons des pères, des sœurs, 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 des Le désir, 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 le
reçois les désirs de ton cœur. 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 Je prie pour ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Reçois. Joie, le désir de ton cœur. Reçois le désir de ton cœur. J'ai pas donné le micro. Dans le micro. Le pasteur. Reçois le désir de ton cœur. Seigneur, bénis la vie de ta mère. Que les bénédictions et que ma parole soient votre partage. Que tu veux. Ouvre les portes de l'argent. 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 Ouvre les Au travers du monde, à l'internet, ceux qui m'envoient les tibes, peu importe là où ils sont, qu'ils soient bénis. Bénis RMP, bénis le frère Fernandez, sa famille, notre église, tous les frères, toutes les sœurs, qui sont entrepreneurs, qui sont bénis. Seigneur, que dans cet endroit, merci, qu'il y ait des entrepreneurs. Amen. Au nom de Jésus, j'appelle mon monsieur le frère qu'il reçoive le dernier déversement de l'onction, de la prospérité physique, matérielle, financière. Qu'il ne manque de rien. Aujourd'hui, nos prières deviennent une référence. Pour Life Tabernacle. Et chaque fois, Seigneur, qu'ils s'en souviendront de ça, que les portes de leur vie s'ouvrent. Peu importe à quel moment, leur tendre Seigneur en difficulté, quand il va s'en souvenir de ce jour, qu'il reçoive l'argent, qu'il reçoive la santé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you.
Merci papa, que Dieu te bénisse. Merci parce qu'on aura gagné toujours. Je vous aime pour ça. La mort de l'église, mon aîné, la vie des amateurs, on a connu les missions, nous vous disons Dieu merci. Ça me prendra la main pour nous aller. Je vais vous dire. Bon, la chasse, mon mot, ça va être un peu de temps. Mais évitez, comment vous trouvez une solution? N'a pas ça, on va être un peu de temps.